Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et demain, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga. À lui, les origines, le temps qui s'écoule et l'éternité. À lui, la gloire de la vérité et la puissance de la vie. Amen. 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 D'une immense espérance. Ô Dieu, esprit de feu et de lumière, béni sois-tu. Tu nous enflammes d'un si grand désir de ton royaume que nous pourrons un jour participer aux fêtes de l'éternelle lumière.
Yeah.
Le Christ ressuscité, Christ ressuscité, de joie dans le ciel la multitude des anges. Chantez, serviteurs de Dieu, et que retentisse la trompette triomphale pour la victoire du grand roi. Réjouis-toi, ô notre terre, resplendissante d'une clarté éclatante, car il t'a prise en sa clarté et son règne a dissipé ta nuit. Réjouis-toi, Église notre mère, toute remplie de sa splendeur, et que résonne l'acclamation du peuple des fils de Dieu. Unissez, frères et sœurs bien-aimés, votre voix à la mienne, pour que je chante en votre nom la merveilleuse lumière du Christ ressuscité. Le Christ ressuscité, le Christ ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de proclamer à pleine voix ta louange. Dieu invisible, Père tout-puissant, et de chanter ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Détruit en son sang la condamnation de l'ancien péché. Alléluia. Alléluia. Ah, voici la fête de la Pâque où l'agneau véritable est immolé pour nous. Voici la nuit où tu tiras de l'Égypte nos pères, les enfants d'Israël, et leur a fait passer la mer rouge à pied sec, nuit où le feu de la nuée lumineuse a repoussé les ténèbres du péché. Alléluia. Alléluia. Ô nuit qui nous rend à la grâce et nous ouvre la communion des saints, nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. Heureuse faute d'Adam, qui nous a valu un tel rédempteur. Alléluia. Alléluia. Seul a pu connaître le temps et l'heure où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. Ô nuit dont il est écrit, la nuit comme le jour illumine, la ténèbre autour de moi devient lumière pour ma joie. Ô nuit bienheureuse, où se rejoignent le ciel et la terre, où s'unissent l'homme et Dieu. Alléluia. 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 Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père très saint, le sacrifice du soir de cette flamme que l'Église t'offre par nos mains.
Permets que ce cierge pascal consacré à ton nom brûle sans déclin en cette nuit et qu'il joigne sa clarté à celle de la lune et des étoiles. Alléluia. 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 Il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant, le Christ ressuscité, revenu des enfers, qui répand sur nous tous et sur tous les hommes sa lumière et sa paix. Alléluia. 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 Garde ton peuple, nous t'en prions, ô notre Père, dans la joie de ces fêtes pascales. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui par la puissance de l'Esprit s'est relevé d'entre les morts et règne près de toi pour les siècles des siècles. Alléluia. 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 Nous allons maintenant entendre 5 lectures et puis encore l'Évangile. Nous prenons le temps pour laisser pénétrer dans nos cœurs le mystère de la vie de Dieu parmi nous grâce à l'écoute des textes sacrés et du chant des psaumes. Accueillons cette parole qui peut construire notre vie. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus.
Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. » Et il en fut ainsi. Dieu appela la terre ferme « terre », il appela la masse des eaux « mer » et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit « Que la terre produise de l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruit selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et il en fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit, que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre.
Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Enfants des hommes, bénissez le Seigneur, les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur, les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur, bénissez le
Prions. Notre Père, tu as remis entre nos mains une terre splendide. Fais jaillir en nos cœurs l'émerveillement et l'action de grâce. Maintenant que le genre humain a accru son pouvoir sur les matières et les êtres vivants, accorde-nous ton esprit de sagesse pour que nos œuvres soient dignes de toi et que nos descendants se plaisent à bénir ceux qui les auront précédés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha en arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars. Et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent : Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse : Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent. Et le Seigneur les précipita au milieu de la mer.
Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Sa gloire, il est ressuscité, alléluia. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire, il est ressuscité, alléluia. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière, il incline vers moi son oreille, toute ma vie je l'invoquerai. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire, il est ressuscité, alléluia. J'étais pris dans les filets de la mort, tenu dans les liens de l'abîme, j'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur, Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire, il est ressuscité, alléluia. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits, j'étais faible, il m'a sauvé. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire, il est ressuscité, alléluia. Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien, il a sauvé mon âme de la mort. Gardez mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il est ressuscité. Alléluia. Envoyer ton Fils pour nous communiquer une force de salut et nous ouvrir le chemin de la vie véritable. Donne à tes fidèles, en cette nuit très sainte, de passer des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté, de la tristesse à la joie, de la peur à l'espérance, de l'angoisse à la paix, de la haine des ennemis à un amour semblable au tien, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Thank you.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse ? Dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche, et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice, loin de toi l'oppression, tu n'auras plus à craindre. Loin de toi la terreur, elle ne t'approchera plus. Parole du Seigneur. Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé. M'a relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. À
Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parures de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Notre Père, tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Tu fais miséricorde au peuple de la terre. Tu combats à nos côtés contre le mal et le malheur. Accorde à ton Église, en tout temps, en tout lieu, de s'appuyer sur le roc de ton amour et de transmettre au monde cette confiance inébranlable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas, accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait sa splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre,
autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde. Ainsi, la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour Dieu, roi du ciel, Dieu.
Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia. Oh.
l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. » Alors, elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Nous célébrons Pâques à l'aurore, dans la pénombre encore. Mais c'est dans la certitude que le jour viendra. Le prophète Osée voyait déjà ce jour de la venue du Seigneur dans son monde troublé, et il disait « Son lever est aussi sûr que l'aurore. » Mes frères, mes sœurs, nous parcourons constamment ce chemin vers l'aurore, vers la lumière, vers la confiance. Mais pour y aller, il faut d'abord bien savoir d'où nous venons, dans quelle pénombre nous commençons notre parcours. Or, l'évangile que nous avons entendu nous rejoint bien là où nous sommes. Il est encore en demi-teinte. Pierre s'en retourne chez lui, tout étonné. Ce sont les derniers mots. Il reste songeur devant ce qu'il a vu et ne sait pas trop qu'en penser. D'ailleurs, dès le début, les saintes femmes étaient aussi désemparées et de toute façon, on ne les croyait pas. Décidément, le point de départ de notre foi, de notre fête, n'est pas très lumineux. On a beau chanter beaucoup d'Alléluia, la situation n'est pas encore très claire dans l'Évangile. Car pour nous aussi, la résurrection n'est pas évidente au premier abord. Nous ne voulons pas croire n'importe quoi. Notre patrimoine culturel nous invite à un prudent scepticisme, et c'est bien ainsi. Cependant, nous nous sommes levés pour venir fêter Pâques à 5 heures du matin, parce que notre patrimoine spirituel et religieux nous porte aussi et nous invite à faire confiance à l'Évangile,
à ce chemin d'évangile, comme dit saint Benoît. Nous sommes donc ici parce que nous voulons nourrir cette confiance pour continuer notre marche. Mais commençons par le commencement. Il est vrai que l'évangile que j'ai lu n'est pas encore très convaincant. Tous les évangiles de la résurrection chez les quatre évangélistes sont d'allure comme inachevés. Ils attestent seulement que tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Après l'échec total de l'entreprise de Jésus, c'est la résignation qui s'imposait. Et les femmes, mirophores, venaient pour achever les rites de l'ensevelissement. Or, le tombeau était vide. Mais cela ne prouve rien. Cela explique seulement l'étonnement. Je crois même que les apparitions que les évangiles racontent ensuite ne sont pas non plus tellement convaincantes. Il y est écrit que les disciples ont vu le Seigneur. Ce qui est raconté là est très inspirant, mais il n'y avait pas d'autres témoins pour l'attester, et cela ne nous rassure pas. C'est au livre des Actes des apôtres, après la Pentecôte, que nous pouvons enfin constater l'action de l'Esprit de Jésus. Comme il est dit, une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était à l'œuvre chez eux. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Vous connaissez ce texte qui décrit la communauté des croyants, la communauté des disciples du ressuscité. Là, dans la vie en communion, nous voyons un témoignage convaincant de la résurrection, de la présence de l'Esprit de Jésus. On disait « Voyez comme ils s'aiment !» Tel est le vrai témoignage de la résurrection. Et nous voyons comment par la suite, tout au long des siècles, cette présence active du Seigneur a suscité beaucoup d'initiatives merveilleuses. Mes frères, mes sœurs, c'est à nous maintenant à rendre ce témoignage de la résurrection, un témoignage de puissance et de grâce. Car il ne suffit pas de croire, d'adhérer au témoignage que les autres ont rendu. Désormais, pour nous, la résurrection est une tâche à accomplir. Mais nous ne sommes jamais seuls. Nous aussi, nous sommes portés par le même Esprit de Jésus. C'est pourquoi, ce matin, nous avons tenu à réentendre toutes ces lectures depuis la Genèse jusqu'à saint Paul. Et déjà à la première page de la Bible, au premier verset, nous avons entendu que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, primordial. Et tout au long de l'histoire sainte, nous voyons qu'il est l'Esprit créateur, celui qui conduit son peuple et le renouvelle, celui qui recouvrait Marie de son ombre et celui qui s'est posé sur chacun des apôtres à la Pentecôte. Et plus largement encore, comme dit saint Paul, nous le savons, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement, attendant la délivrance. Tous les humains, de par le monde, à travers toutes les religions et cultures, chacun à sa manière, tous sont portés par ce désir de lumière, de paix et de fraternité qu'inspire un même esprit. Hélas, nous sommes aussi les témoins, déjà au tout début de notre histoire avec Caïn qui a tué Abel, son frère, et aujourd'hui tout particulièrement, nous sommes les témoins d'un autre désir, le désir de nuire,
qui peut posséder les humains et qui les fait régresser jusqu'à ne pas hésiter à tuer leurs frères. Cela rend plus urgent que jamais l'appel à suivre le chemin de l'Évangile en témoignant, là où nous sommes, de sa force et de sa compassion. Aussi, chaque année, en vivant plus consciemment et plus intensément le mystère pascal durant la Semaine Sainte, nous pouvons un peu plus passer de l'étonnement et du doute au témoignage, comme nous l'avons vu chez l'apôtre Pierre, qui a dû faire tout un chemin de conversion de la foi pour pouvoir enfin rendre son beau témoignage. Pour nous aussi, ce chemin, comme saint Paul nous l'a rappelé dans l'Épître, est aussi une traversée par la souffrance à la suite du Christ. Mais il est aussi un chemin de rencontre. En effet, le message de la résurrection que nous avons reçu doit être transmis. Gardé comme un trésor privé, il ne pourrait que se dégrader et croupir. Il n'existe que reçu et transmis. C'est ce que nous avons évoqué au début de cette célébration en transmettant autour de nous la flamme venue du cierge pascal. Elle a ainsi illuminé toute la chapelle de proche en proche. Et ensuite, nous devons nous annoncer les uns aux autres la nouvelle « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Quand alors nous sortirons de cette chapelle et retournerons dans notre lieu de vie habituel, nous pourrons répandre autour de nous cette flamme intérieure et conforter ce patrimoine spirituel dont je parlais en commençant, cette conviction apaisée qu'avec la présence, avec la puissance et la grâce du Seigneur, nous pouvons nous lever et que nous pouvons relever nos frères et sœurs autour de nous. Car, comme l'annonçait le prophète Osée, en évoquant l'énergie vraiment solaire du Seigneur Jésus parmi nous, nous pouvons avoir confiance. Son lever est aussi sûr que l'aurore.
pour exprimer notre désir d'aller tous ensemble plus loin sur le chemin de l'Évangile, nous allons réaffirmer notre engagement de baptême. Renoncez-vous au souci des vaines richesses et des sécurités humaines qui étouffent en vous la parole de Dieu. Renoncez-vous aux suggestions trompeuses de l'égoïsme et de l'orgueil qui empêchent l'Évangile de porter du fruit. Renoncez-vous aux œuvres du diviseur, jugement, rancœur, jalousie, qui sèment l'ivraie au milieu du bon grain. Et croyez-vous en Dieu qui, en un premier commencement, a créé l'univers visible et invisible et qui ne cesse de susciter la vie du monde par sa toute-puissance? Croyez-vous en Jésus-Christ, engendré par le Père avant tous les siècles et qui est venu dans l'histoire habiter parmi nous, qui est né de la Vierge Marie, a été crucifié et enseveli, qui est ressuscité d'entre les morts et glorifié près de Dieu, vivant éternellement? Et croyez-vous en l'Esprit Saint, qui est l'âme de l'Église universelle, qui est envoyée pour la rémission des péchés et qui est puissance de résurrection? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, qu'il nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Jaillissant du cœur du Christ, alléluia, alléluia. Ce que lave ses taux se lèveront, seront sauvés, alléluia, alléluia, alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia. Rassemblés, chantaient la joie d'être sauvés. Alléluia, alléluia, alléluia. Le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, alléluia. Victorieux monde appelait de son côté.
Christ accomplit la promesse. L'Esprit du Fils en est témoin, ardent désir vers le Père. Alléluia, alléluia, Christ est pour nous connaissance. Christ est levé d'entre les morts et nous entraîne en sa gloire. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Et la terre sont remplies de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux. Ô Dieu Saint,
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous célébrons Jésus-Christ venu en notre chair. Amen. Mort sur le bois de la croix. Amen. Ressuscité d'entre les morts. Jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Faisant ici mémoire de la vie, de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean-Luc, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permette avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, saint Benoît, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père,
dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Christ, pour la vie éternelle. Amen. Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Non. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu très aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes amis, mes sœurs, un nouveau matin se lève, nous allons le chanter et nous allons également le vivre dans la communion en prenant le petit déjeuner ensemble pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia.
nous.